Une volonté de travailler sur un projet un peu plus léger. C'est un projet qu'on a fait avec Sébastien Pérez, avec qui je collabore depuis très longtemps. On a fait pas mal de livres. Et on avait fait un livre il y a quelques années qui s'appelait Destin de chien, qui était un des premiers livres qu'on a fait ensemble et qui nous plaisait beaucoup, qui était un livre assez amusant sur plusieurs destinées de chiens. Et en fait, en salon, quand on présentait ce livre, chaque fois les gens nous disaient, mais... Ah, mais pourquoi vous faites pas un destin de chat? Pourquoi vous faites pas un livre avec les chats, les chats, les chats, les chats? Bon, bref, n'arrêtez pas de nous parler de ça. Bon, et c'est vrai que on l'avait pas fait tout de suite. Et là, l'idée est venue effectivement parce que on avait vu des vidéos aussi internet de chats un peu ridicules qui font que des conneries, qui sont. Et c'est vrai qu'on s'est dit, il y a un terreau quand même pour raconter des histoires. Alors, il est extrêmement différent du livre des chiens puisque c'était un livre d'humour noir qui sera d'ailleurs édité dans pas longtemps, mais un livre d'humour noir avec des destins de chiens comme ça. Soit ils mourraient dans des morts atroces ou des trucs comme ça. Là, les chats, pas du tout. C'est un livre très drôle sur toutes les bêtises que font les chats et tout le côté facétieux. Et c'est comme sous forme de tout petit poème qui dresse en fait le portrait, une petite histoire d'un chat et qu'on le découvre, son rapport au monde, son rapport au maître. Et c'est assez marrant, assez léger. Et c'était aussi un livre assez léger, même techniquement, c'est une technique différente, à l'aquarelle, un livre plus rapide et que j'ai fait avec un jeune éditeur qui s'appelle Margot. C'était un livre voilà, qui s'est fait dans un certain plaisir et dans une certaine dynamique. C'était marrant de travailler sur ce livre-là parce que habituellement je dessine en fait un chat. Mon chat de quand j'étais petit, que j'avais fait dans différents livres, un petit chat noir de gouttière standard. Et bon, voilà, je le dessinais comme ça, je ne m'étais jamais posé la question. Et pour ce livre-là, j'ai plus de 12 races de chats différentes à faire. Quand on dessine, on a une espèce d'écriture, c'est-à-dire après les gens ils disent ah, pourquoi vous faites des gros yeux, en fait c'est comme s'ils disaient bah, pourquoi vous parlez avec tant de grave et tout. En fait on fait pas exprès, c'est-à-dire on parle d'une certaine, on dessine d'une certaine façon, mais ça vient assez naturellement et donc du coup c'est vrai que là c'est pareil, le chat je le dessinais assez naturellement et là j'ai dû me poser la question en fait et adapter différentes races, leur donner vraiment une personnalité en fait, hein, des faciès très différents, mais il fallait quand même qu'ils continuent à ressembler à des chats et qu'ils soient cohérents les uns avec les autres. Donc ça m'a... c'était assez particulier en fait, mais bon, je les ai fait très différents, puis alors, on a fait des races tellement différentes, on a fait des sphinx, c'est-à-dire les chats sans poils et tout, alors qui ont une allure déjà très bizarre naturellement, un persan obèse, on a fait plusieurs chats de gouttière, on a fait aussi un chat qui fait tout le temps la gueule, on a fait... voilà, on a tellement varié que voilà, ils sont marrants et leur race induit aussi pas mal le texte. C'est un livre voilà, effectivement léger et amusant et sur lequel voilà, on a joué aussi pas mal sur les petits détails en fait, que les gens qui connaissent très bien les chats remarquent en fait. C'est ce qu'on a pu voir en salon, ils remarquent des petites observations comme ça, donc il y a plusieurs niveaux de lecture, quoi.